Un beau bonjour à toutes et tous. Voici en quelques mots ce que cet ange peut nous accorder et ensuite la prière à cet ange. L'ange numéro 62, Ihaël. Ce gardien accorde à la fois la raison et la sensation, car il régit des énergies de Vénus, en plus de celles mercuriennes du cœur auquel il appartient. Les protégés de cet ange trouveront les clés de la réussite au travers de la réflexion des vérités apportées par leurs cinq sens. C'est lors de cette réflexion que l'ange Ihaël leur donnera la marche à suivre pour atteindre le succès. Si leur volonté d'action est au service d'une œuvre positive, ceux qui ont cet ange pour gardien réussiront tel qu'il est indiqué dans le texte traditionnel, sans bruit, sans fatigue, sans précipitation, dans la paix d'une demeure tranquille, loin des agitations mondaines. Ils seront tendrement aimés dans leur paisible retraite, sans agitation. Vous pouvez l'invoquer pour fuir la luxure, la vanité, les querelles, mais aussi les plaisirs. Grâce à cette élévation, il vous protège de la jalousie et répare les problèmes relationnels. Pour apprécier les moments d'introspection, vous pouvez invoquer votre ange gardien pour vous préserver de l'agitation mentale. Il est donc judicieux de faire appel à votre ange gardien lors de situations stressantes qui vous demandent du calme. Prière à l'ange Ihaël. Ange Ihaël, vivifie-moi. Fais que le courant de ta pensée circule dans mon cerveau et le régénère. Fais que les élancements de mon cœur battent à l'unisson avec ceux de ton cœur. Que mon geste soit à ton geste, que ma parole soit ta parole. Fais qu'en moi, le masculin et le féminin occupent leur place respective et ne me permets pas que mon imagination exaltée me porte à ambitionner d'autres luxes que celui de comprendre la merveilleuse machine du monde que l'Éternel a créée. Entends mon appel et viens à mon secours. Permets-moi la réussite dans les événements qui se présentent à moi. Aide-moi à sublimer mes défauts. Stimule mon esprit pour qu'il révèle toute sa créativité. Et pardonne-moi des excès de mon ego. Permets-moi de me détendre une fois le travail accompli. Que l'équilibre entre dans ma vie.
Merci et reçois tout mon amour et ma gratitude. Que l'amour et la lumière guident chacun de mes pas.